Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quartier flash marocain de ce lundi 4 septembre sur l'hippodrome de Marrakech. Ce sera à l'occasion du prix Boudab, un handicap D pour 4 ans et plus qui va se courir sur les 1800 mètres. Ils seront 15 à y prendre le départ. Un petit, ce qu'on pourrait appeler un petit coup de poker en tête avec un cheval qui effectue une grosse rentrée, mais qui me semble posséder la pointure pour s'imposer d'entrée de jeu. Allez, on attaque nos bases justement avec le numéro 14, Camila Bouznika, absent depuis novembre 2021. Elle effectue en effet une grosse entrée, mais attention, elle a du travail derrière elle. Elle évolue dans son jardin sur la piste de Marrakech. Elle reste d'ailleurs sur un succès sur le parcours du jour. Je pense que d'entrée de jeu, elle est capable de le faire. Le numéro 4, Dergham Al-Borak, qui alterne le bon et le moins bon. Mais attention, le potentiel est là. Il se plaît sur ce type de parcours. L'engagement est plutôt favorable. Un conseil, ne le sous-estimez pas. Le numéro 9, Marjana, elle manquait logiquement de rythme pour sa rentrée. Elle a fait ses preuves à ce niveau et sur ce type de distance, même avec le 15 dans les salles. Moi, je me dis qu'elle a un premier rôle à jouer dans ce quintet. Du côté des opposants, le numéro 12, Kesbawi Fall, il vient de courir en progrès à l'occasion de ses deux dernières sorties. Il avait montré d'incontestables moyens l'an dernier, de mémoire, 3 sorties, 2 victoires, une deuxième place. Je pense qu'il est capable de refaire parler de lui ce lundi. Le numéro 2, Batal Angad, qui vient de bien gagner sur un 1850 mètres sur la piste de Lala Malika. Il est plutôt bien garé avec le 2 dans les stalles. Sur sa lancée, il devrait tout simplement confirmé. Le numéro 1, Amirat Mahamora, qui s'est classé 3e sur ce même parcours fin mai. Elle n'a pas véritablement confirmé depuis, mais elle sera confiée pour l'occasion à un certain Abderrahim Fadoul. Ça vous dit quelque chose? Raison pour laquelle mieux vaut ne pas la négliger. Et enfin, le numéro 15, Tinas, qui vient de décevoir, c'est vrai, sur la piste d'Anfa, mais a montré quelques moyens ces derniers mois. Elle s'adapte à toutes les distances, elle est plutôt bien engagée en bas de tableau, elle est capable tout simplement de se réhabiliter ce lundi. Le coup de poker, ce sera le numéro 3, Chamal Fall, alors qui n'est pas tous les jours, mais il se plaît sur ce type de distance. Il enregistre là aussi le renfort d'un crack jockey en la personne de Zouer Madi aux commandes. Vous comprendrez que les ambitions sont là, il a tout à fait le droit de conclure dans la bonne combinaison de ce quintet. Voilà, on a fait le tour de cette très belle épreuve, on va se quitter bien évidemment avec mon pronostic, mes conseils de jeu, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.